Cette recyclerie de Cisco sera demain la plateforme de tri de la communauté des communes du Cap Corse. L'étude, qui vient d'être livrée après 2 ans de travaux, en fait l'épicentre du projet de mise en place du tri dans les 18 communes. Il prévoit de conjuguer plusieurs façons de collecter auprès des habitants du territoire. De l'individuel sur les grosses agglomérations, après du porte-à-porte, ça c'était aussi prévu, et ensuite aussi de l'apport volontaire, et aussi pour les petits villages, pour les petits hameaux, parce que nous avons 186 hameaux dans le Cap, c'est de mettre du collectif. On n'en saura pas plus pour l'instant sur ce projet, même pas son coût. Sauf qu'il sera soumis au vote du conseil communautaire en février prochain. Au mieux, le tri sera donc lancé dans la micro-région à l'été 2020, 5 ans après que les collectivités compétentes en matière de collecte se soient engagées à faire vite, 5 ans. C'est long parce que la Corse a une géographie qui est très compliquée. Nous avons de nombreux villages qui sont très éclatés et il faut vraiment adapter le plan et le travail à faire à la situation réelle de chaque commune. Donc, et c'est ce que fait l'étude qui est préconisée par l'Office de l'Environnement et par les services de la collectivité. Mais dans le Cap, des voix s'élèvent pour dénoncer la lenteur du processus parce qu'en attendant cette généralisation du tri, le geste est loin d'être entré dans les mœurs. Du verre, du plastique, ça c'est du tri normalement ça. Aujourd'hui on a besoin, il y a une urgence, sauf que moi l'urgence, moi je suis élu depuis 2014, mais l'urgence sur les ordures ménagères, ça fait 5 ans qu'on entend urgence, urgence. Tous les ans il y a une crise de déchets, mais on n'a pas trouvé, on n'a pas apporté de solution, on essaye d'en apporter une aujourd'hui. Peut-être qu'elle fera avancer les choses, mais on ne peut pas dire qu'on va exploser au niveau du tri, ça c'est faux. Selon le plan déchets de la collectivité, la Corse est censée atteindre les 60% de tri d'ici 2023.